Vous avez appelé la fée courgette. Je suis la reine de votre assiette. Si vous voulez vous régaler, avec moi c'est toujours la fête. Zorro, une fois pour que je cale. Vous avez appelé la fée courgette. Tu me l'as mis où de l'orque de secours? Je l'ai mis derrière. Moi derrière, je me mets en bas, oui, ou exactement derrière. Enfin, je regarderai. Ouais, on part ensemble de toute façon. Mais... Ça va pas être plein de choses. Tu me montreras. Non, non. Ça, c'est Sugar. Elle fait les costumes. Ouais. Pour une fois que je me dessape pas. Tu mets les vêtements. Ouais, exactement. Et je fais aussi, ouais. Moi, je fais la régie son et lumière. Bon, alors elle a fait tout. Ouais, Rémi Brica, tu connais l'homme orchestre. C'était quand ils avaient fait le teaser. Moi, je ne fais rien. Je viens soutenir les troupes. Mais c'est très important. À Auchan, le moral. C'est notre Marilyn Monroe. Et tu l'as découpée en quartier. Oh oui, que cette pomme est à croquer. Bonjour, je suis Jules-Louise et dans ce spectacle, j'ai fait la musique. Je m'appelle Audrey Pinault et dans le spectacle, j'ai cousu des décors. Et j'ai aidé à l'installation sur certaines représentations. La recette pour une bonne musique, c'est d'avoir une bonne source d'inspiration. Donc, dans ce spectacle, c'est assez intéressant de travailler parce qu'on a des personnages qui sont assez marqués, qui sont sympathiques, qui sont assez marrants. Donc, on va dire que ça aide beaucoup pour trouver une ambiance approprié pour expérimenter un petit peu autour de ça, voilà, parce qu'il y a vraiment des personnages qui sont haut en couleur, comme on dit. La recette pour des décors durables, au-delà qu'ils soient esthétiques, il faut qu'ils soient très costauds. Et donc, parfois, devant, c'est joli, mais derrière, c'est un peu... c'est pas toujours très esthétique. Mais ce qui est important, c'est que ça dure. C'est nous qui allons pouvoir faire pression. Ça va, j'ai la coiffure ou... Parfait. Oh, putain. C'est un peu une houppelette, mais bon. Ça, c'est un peu notre réconfort collectif. C'est une pièce que j'ai voulu... adapter à beaucoup d'âges, c'est-à-dire que qu'on ait 4 ans ou 10 ans, on y trouve son compte, on rigole. Alors des fois, on rigole de voir les autres rigoler, mais on rigole. Je voulais que les parents passent un bon moment aussi, parce que quand on emmène ses enfants, on est aussi spectateur avant tout. J'ai pas eu le temps de... Les poissons, ils sont en train de faire le stretching, ils sont au taquet, et Jacques, ils vont monter sur scène. C'est pas bien. Ouais, mais c'était parce que... Tu vois, j'avais un filage... Let's go, poissons. Ça, c'est ce qu'on appelle le fou rire d'avant spectacle. Exactement. Le pourtant, c'est pas nous qui jouons, hein, ouais. Alors, mon passage préféré, c'est une bonne question parce qu'ils sont tous très bien, moi je trouve. Vous savez bien de quoi j'ai l'air, c'est moi la star des légumes verts. Oh, mais c'est la fée courgette. Parce qu'elle est verte et que j'adore les courgettes. Alors, je pense que la fée courgette, c'est pas vraiment une fée. Non, non, elle est un petit peu pourrie quand même. Elle est un petit peu en carton et je pense qu'elle se la pète un peu, mais gentiment. Voilà, elle est pas du tout antipathique. Au contraire, elle est très sympathique. Et voilà, elle est un peu prout-prout, mais elle fait toujours des tours qui... Mon personnage préféré dans le spectacle, c'est Miss Morue. C'est Miss Morue. C'est la fête, et oui, c'est moi. Parce qu'elle chante, parce qu'elle danse, parce qu'elle est drôle et qu'elle fait rire à la fois les enfants et les parents. Bah, elle est gouailleuse. Puis assez extravagante, puisque manifestement elle s'est fait refaire de partout. Donc voilà. Le moment que je préfère. J'aime beaucoup l'arrivée de la maman poulpe. Parce qu'on s'y attend pas du tout. Et que le costume est assez réussi, je dois dire, on s'en prend un peu plein la tête pour un final. Un passage que j'aime bien dans le spectacle, c'est quand ça chante et qu'il y a des bulles, parce qu'on se croit vraiment au fond de l'océan. Mon passage préféré, c'est certainement les carottes, le tour des carottes. Parce que ça, c'est un truc qui vient de loin, il y a eu beaucoup de travail derrière.
J'aime bien quand on fabrique l'orque avec la musique, c'est très féerique ce moment-là, je trouve ça très... parce que c'est la naissance en fait du personnage, et je trouve ça très, très joli, de se le... même pour les adultes en fait, c'est assez, assez poétique à regarder, à voir. Ouais. Un moment que j'aime bien, alors j'aime bien les passages sur Miss Morue, parce qu'il se passe beaucoup de choses derrière moi que, qu'évidemment moi je ne vois pas et que les enfants voient, et cette sensation que les enfants prennent le pouvoir sur le spectacle, parce que eux voient des choses que je ne vois pas, je trouve que c'est assez, assez sympa et ça prouve que la mécanique marche bien. Le mot de la fin? Poète. Un mot de la fin, j'en sais pas. C'était une super expérience et je le referai avec plaisir. Le mot de la fin, longue vie à Basile. Ah mais du film? Bah oui. Ah mais non mais il est con.